Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Qui veut être délivré? On parle ici. Hein? Ici, là, c'est pas pour me faire raconter des histoires drôles. Quand on est bien ici, on parle avec les sorcelleries. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, qu'on délivre. Celui qui n'est pas prêt pour ça, n'écoute pas. Oui. Qui est venu avec la petite? Les sorcières. Toi, tu es ici, tu as ici pour quoi? Hein? Hein? Quoi? Hein? Il n'y a rien. Tu t'es assis là? On ne s'assoit pas là quand il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, je te demande, il n'y a rien. Hein? Donc, quitte. Quitte, maman. Quitte, maman. Dans le micro. Je suis sorcière. J'ai tué deux personnes, ma maman et puis ma tante. Et j'ai fait du mal et j'ai attaché mon tonton et puis sa femme. Et puis j'ai donné maladie à ma maman. Je lui ai donné sida. Et puis ulcère. Comment tu donnes sida aux gens? J'ai mis mes médicaments dans l'eau pour lui donner. Comment? Comment tu mets mes médicaments dans l'eau? Explique. J'aime bien les petits détails. Tu dis que tu as mis mes médicaments dans l'eau pour donner à ta maman. C'est comme ça la contagion de sida. Comment tu as? Tu vois, non, c'est ça, c'est ce qui ne me plaît pas chez vous. On vous parle, vous faites comme si on était en train de vous forcer. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu allais parler. J'ai pu t'écouter. Hein? Tu comprends pas mon français? Comment t'as donné médicaments sida à ta maman? Hein? Mais comment tu as mis le médicament dans l'eau? Tu as trouvé ça où le médicament pour le mettre dans l'eau? Hein? Ta grand-mère. Comment elle t'a donné ça? Elle m'a donné dans mon outil. Hum? Dans mon outil. Comment ça? Je mangeais, elle m'a donné manger, mais avec, il y avait rien dedans. Mm-hmm. Quand il a mangé, il a vu quelque chose qui m'a parlé. Mm-hmm. Et c'était ma grand-mère qui m'a parlé. Oh, c'est votre côté là qui ne me plaît pas. Il faut parler. À quoi on va te délivrer? Tu réfléchis. C'est pas question de réfléchir. Elle m'a parlé, elle m'a dit de venir, on va partir dans le camp spirituel. Et tu l'as, c'est un vrai sorcier. C'est un vrai diable. C'est un chef sorcier. Il peut manger tout un village, tout un village. Je vois le petit travail.
On a parlé de la foi. Tu n'as pas la foi. Tu as peur de la foi. Tu as peur de la foi. Devenir parti dans le monde spirituel. Et j'ai pris les dossiers de mon tonton, de la femme de ma tante, pour partir dans le monde spirituel, pour garder son travail. Et j'ai pris l'argent de ma tante. Je suis parti dans le monde spirituel avec ça et mon papa. Levez la peau là, je suis fatigué. Pas trop envie de me tenir debout. Ouais. J'ai attaché mon tonton et puis sa femme. Je cherche une jeune fille là. Elle n'est pas si là. Hein? Je vais parler, ils se sont séparés. Comment tu as fait? Je les ai mis en parler. Comment tu as procédé? Si j'ai arrêté la science là, c'est jusqu'à jeudi, je reprends. Pardon. Non. Je ne vais pas vous de parler. Comment t'as mis par là? J'ai mis un discours. Comment tu as procédé? Comment? Tu es allé où? Nous croyons à ta puissance, Seigneur. Nous croyons à ta puissance. Nous te prions, Seigneur, d'agir d'une manière forte et puissante dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur. Nous croyons à ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons à ta puissance, Seigneur. Nous croyons à ta puissance, Seigneur. Interviens, notre Dieu. Interviens puissamment, Seigneur. Jésus, manifeste. Jésus, manifeste. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Interviens. Sa vie. Intervient dans sa vie. Intervient dans sa vie. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. La puissante main de 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 Dieu. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. De te manifester encore dans la vie de ses bien-aimés. Puissance de Dieu. Jésus,
te libère. Jésus. Puissance de Dieu. La 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 puissance de Dieu. Jésus, merci Seigneur de te manifester. Ta femme actuelle, comment elle s'appelle? Pauline. Hein? Ta vie, c'est une sorcière. Ils ont produit ta vie dans l'œuvre de Pétard. Salut, tu vis physiquement, mais ta vie est dans Pétard, ton âme. Voilà, donc, et mais elle est passée par le rapport sexuel. Excuse-moi pour le truc, par ton sperme, pour prendre ta richesse. Tu as une reine sorcière et c'est difficile, mais Dieu va te délivrer. Amen. Tu crois à ça? Oui. Merci. Merci Jésus. Jésus va te délivrer. Merci. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Je proclame ce matin la délivrance de ton âme. Le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Comme le feu du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Son règne prend fin. Son règne prend fin. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame ce matin la puissance de Dieu. Je libère toute ta destinée. Je libère ta vie. Je libère ton mariage. Je libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te repositionne dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame sur toi la prospérité. Je proclame la faveur de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Merci pour ta merci, elle. Merci d'agir pleinement et puissamment dans sa vie. Merci de te manifester. Merci, Dali. Elle est venue avec qui c'est là? J'ai accompagné ma fille. Ça va? Comment t'appelles? Je m'appelle Linda, c'est une personne que je viens de dire. Tu as quoi? Je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais même pas. Comment? Comment tu es venue ici? Ici là, c'est où? Ici, c'est où? C'est quoi la prière? Comment tu t'es retrouvé ici? Comment? Pourquoi faire? De quoi? L'esprit de mort. Esprit de mort? Comment tu sais que tu es esprit de mort? Je vois le mort partout. Tu as fait quoi pour avoir ça? Tu as fait quoi pour te retrouver dedans? Le monde de Mimi est venu à la maison là-bas. On s'est passé à l'envoyer ta vie de sorcellerie. On ne voulait pas prendre ça, elle m'a donné maladie. Je suis malade ou bien? C'est une sorcière? Il faut qu'on fasse sans te délivrer. Toi, tu sais ce qui t'arrive. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Elle est sorcière. C'est pas tout le monde en attaque, tu as compris? Hein? Si tu confesses, je te délivrerai. Tu as compris?
Hein? Je suis une sorcière. Mais voilà, donc il faut parler. Tu ne peux pas venir, on monte à ta nef, tu es sorcier, et puis tu ne dis pas. Oh, dès que je t'ai vu, mon vibreur s'est mis en marche. Le détecteur s'est mis déjà en marche. Tout de suite, s'est mis en marche. Qu'est-ce que tu devais faire? Et puis Dieu t'a frappé. Tu as fait quoi et Dieu t'a frappé? Ah, tu vois pas que tu souffres? C'est quatre fois souffrant, tu vas avoir tout de suite. Si tu parles pas. Donc je prie pas pour toi. C'est comme ça. Tu reconnais que tu es sorcière? Hein? Tu voulais tuer qui? Mais tu te rappelles? Tu as peur de parler? Ah, faut parler. Parle. Parle fort. Oui. Arrête là. Je t'ai fait quoi? Laisse ça. Elle veut manger, c'est tout. Je t'ai fait quoi? C'est son grain qui l'intéresse. Donne-moi les clignes là. Tu as demandé à son sorcier, il voulait te faire voir. Il va dire non, pas ta chère tante. Est-ce qu'il y a une raison? Les sorciers, est-ce qu'il y a raison? Pour tuer là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et pas tout le monde mange. Il y a des gens qui sont. J'ai pris mon Dieu. Vous savez qu'il était sorcier? Non. Ah oui, vous ne savez pas? Je ne savais pas. Vous l'avez toute petite. Non, non. En venant ici. Jamais. Vous n'avez pas senti de signes? Pardon? Je ne savais pas. Vous avez vu son manque de la maladie? Mais elle a piqué une crise de folie, je l'ai envoyée à Benjerville, à la psychiatrie. C'est de là-bas, je suis venue, on m'a parlé de vous. Comment la crise est venue? Quand j'étais allée au travail, je suis arrivée, elle m'a dit que mon amour est venu sur moi, qu'elle ne m'a pas trouvé. Ton nom? Oui, j'avais une petite fille. Non, 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 j'avais une petite fille qu'on a donné mon nom. Ouais. Oui, donc, la fille est venue me rendre visite. Ah. C'est elle qu'elle a trouvé. Ah. Mais elle m'a dit que la fille ne m'a pas trouvé. Elle est venue à mon absence. J'ai dit c'est bien. Okay. Et deux ou trois jours, elle a commencé à parler. Et qu'est-ce qu'elle disait quand elle parlait? Bon, elle disait que la fille est venue. Ouais. Que la fille est venue avec quelque chose. Il dit, ah, moi où je suis là, je ne vois pas. C'est que la fille est venue là. J'ai eau bénite ici. Je vais te donner. Tu as à boire. Je vais asperger dans la maison. Puisque moi, je ne vois pas prendre notre huile là. Non, puis là, c'est bon aussi. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné la bille, j'ai assagé partout. Et ça a commencé à devenir pire. Ouais, pire, elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle rencontrait dans le pire là? Que la fille est venue avec quelque chose, la chose sent dans la maison. La chose sent, de faire sortir la chose. Ça lui a dit, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu es là, ceux qui voient, moi, je ne vois pas. Elle dit, ah, que la fille est venue avec la viande, mais. La fille voulait la prendre comme un réseau, puisque par elle, la fille peut m'atteindre. Donc elle a refusé, c'est cela, la fille veut lui faire du mal. C'est ainsi, elle a parlé, mais ça a commencé comme une folie. Je ne pouvais plus la maîtriser. J'ai fait venir ses parents du village. Son papa est venu, on ne pouvait pas la maîtriser. De la psychiatrie, on m'a dit que ça allait, mais si que je sais que c'est un problème spirituel. On m'a parlé de vous, ce soir depuis samedi nuit. Nous sommes arrivés. Vous êtes là depuis samedi nuit. Oui. Même pas compris 4 heures. Qu'est-ce que tu as? Tu voulais tuer mémé? On t'a demandé. Hein? Oui. Je suis en train de te demander parce que je veux t'aider. Je vais te dire une chose. Un sorcier qui vient dans une maison, il sait qui est sorcier. Ok. Donc, il n'a pas besoin de tout. Maintenant, l'initiation, ça met du temps. Une personne ne peut pas venir du coup initier une personne, agresser une personne. Non. Voilà.
C'est parce que ce qui est en elle, c'est cette connexion que la sorcellerie a vue. On l'a chargée d'une mission qui n'a pas marché. Ça l'a foudroyé. Amen. Amen. Et c'est ce qu'elle vit. C'est quoi? Bien. Hein? Ça va bien. Non, c'est. On va prier pour toi. Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Moi, je ne comprenais pas. Si, mais c'est parce que Dieu t'a protégé. Sinon, c'est fini. C'est la période. C'est la période où les sorciers attaquent agressivement les gens. Ils agressent les gens gravement. Et je suis allé à la psychiatrie. Pour pouvoir la faire venir, l'argent que j'avais là, l'argent, je ne sais pas qui a pris. J'avais 140 000, j'ai payé, ça sortit 60 000. Il devait me laisser 110 000. Je me suis retrouvé à 50 000. Mais j'ai forcé, il dit que j'ai l'argent ou pas, je vais venir. Il dit que j'ai l'argent ou pas, il faudrait que je vienne. Vous voulez comment ici? Je vais appeler peut-être mes enfants pour dire qu'ils n'ont plus d'argent. C'était dans l'enveloppe, mais ils ont pris aussi. Je ne sais pas qui a pris. Aussi. Ils ont pris aussi. 60 000 dedans. Dans le programme, vous avez combien d'argent dans l'enveloppe? J'avais 140. Mmh. Et je suis allé à Benjerville pour la libérer. Vous avez payé 30 000. 110 000. 110 000. Je n'ai pas touché. L'enveloppe était dans mon sac. Et à la veille du départ, je dis j'ai apprêté mes choses. Je vais apprêter les choses. Je prends l'enveloppe, j'ai pris les 50 000. Donc il y a eu 70 000 francs. Oui. J'appelle sa maman pour dire que ah, je suis allé à Benjerville. Mon sac est resté. Personne n'a s'approché sa main. Il a dit à sa main, il partait dans les toilettes, suivez mon sac. Mais mon argent a disparu. Elle dit, personne n'a touché. Elle dit, mais si personne n'a touché, l'argent est parti. Mais néanmoins, on va venir ici. On va venir. Et tu donnes 20 000 francs. Merci. Merci. Tu connais l'argent? C'est ma contribution pour vous aider. Ici, là, si Dieu nous met à cœur de vous aider, on va vous aider. On prie pour vous aider. Qui a fait disparaître l'argent? Comment ça a disparu l'argent de Mémé? À qui? À qui? Je vais t'aider, faut pas prendre mon temps. T'as donné à qui? Tu n'as pas envie de parler? Je t'ai vu, elle donnait 20 000, tu as acclamé pour après, je t'ai donné. Elle a acclamé le Seigneur. Maintenant, faut parler. Voici l'étape importante pour ta délivrance, c'est de parler. Tu dis deux choses à la fois. Mais donc tu veux quoi? Je veux ma délivrance. Mais dis la vérité. Vous n'êtes pas qu'on venez ici. Mémé, viens ici. Mémé, viens. Viens, c'est ici à la prière. Bien. Pas tellement dehors de la prière. Ici, là, vous allez entendre beaucoup de choses. Hein. On va attraper ta cœur, maman. Non. N'êtes pas seul dans le combat. Hein? D'accord. Vous n'êtes pas seul dans le combat. D'accord. Attends, est-ce que vous savez comment Dieu vous a délivré? Gloire à Dieu. Hein? Vous êtes délivré de la mort. Gloire à Dieu. D'accord? Voilà, donc apaisez-vous.
depuis, il ne faut pas que ça... C'est vrai que c'est difficile. Nous, on est habitués à entendre ça. Nous, on est habitués. Peut-être comme vous êtes tous de nouvelles. Mais il faut qu'elle passe par là pour être délivrée. Nous, on la voit comme une personne qu'on doit sauver. Malgré tout ce qu'elle va dire, tu vois, malgré tout ce qu'elle dira pour nous, avec beaucoup d'amour, on va la sauver. Vous comprenez? Parce qu'ils lui ont donné la sorcellerie, elle est devenue sorcière. D'accord? Et sa mission, c'était de vous nuire. Comme Dieu n'est pas un Dieu injuste, tu as fait des bonnes choses et puis, voilà. Et puis, la sorcellerie va te tuer. Dieu a mis la main pour ne pas que ça arrive. Voilà. Donc, tout ce qu'elle dira, ayez le cœur net, tranquille. C'est vrai que ça fait mal, mais ça va aller, on va l'aider. Ça va? Faut expliquer ce que tu as fait. Vous voulez dîner? Ah, c'est la même chose. Si c'est pas Agnès, c'est Baoulé qui vient. Mais c'est Abbé. Ah, c'est pas Abbé. 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 Le sorcier. Abbé. Elle a moitié Abbé, moitié Agnès. Je suis en train de scanner. Si elle est trouvé sorcier, elle est attrapée. C'est pas moi qui a tout. Non, il n'y a pas. Si il y avait, il allait prendre. Amen. Moi, je pèse pas trop. Souba, il n'y a pas camarade. Tu ne peux pas être camarade sorcier. Il va te manger. Il va te manger. Les gens, leur première manière de se protéger, c'est de vous mettre à l'écart. Maintenant, quand vous dites la vérité, ça les rassure. Quand vous envoyez, ils sont vous délivrés, ils sont contents. Mais tu ne veux pas parler, il va t'enlever. Tu vas le mettre dans une sauce pour le manger. Elle a fait quoi, la bébé? Qui a dit de tuer Mémé? Comment elle a fait? J'ai pas trop le temps. Elle va parler, hein? Elle va. Mais apaisez-vous. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vais avoir une pause tout à l'heure. Je vais pas. Et puis je reprends le service jeudi, je poursuis là. Je te donne déjà mon emploi du temps. Voilà, moi je pars déjà quelque part pour régler un problème. J'ai des rendez-vous tout à l'heure. Mais ça va nous prendre peut-être une semaine comme ça. Voilà, donc beaucoup de patience. En fin de semaine, on va la délivrer. Non, si c'est ce qui change de mon programme, en fonction de ça, vous pouvez partir à Abidjan et revenir. Voilà, donc vous pouvez la laisser. Comme sa mère ici, vous la laissez ici. Nous, on a le temps de prier pour elle et on est temps, vous venez le week-end et puis on va achever le travail. Voilà. Ça va? Dis à Mémé ce que tu as fait. Donne-moi le micro ou bien? C'est ça qui parle? Non. Oui. Vous ne voulez pas que vous veniez ici, c'est ça? Et donc tu as pris l'argent, tu as fait disparaître ça. Tu allais leur donner l'argent. C'est pour ça qu'ils t'ont donné l'argent à Mémé, tu étais content. Donc quand on donne l'argent, c'est bon. Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est l'esprit qui est en toi. Mais qui prend pour donner? Ah, donc vous êtes ensemble. Mais c'est l'esprit qui... Ah, tu ne veux pas être ensemble. Donc il faut dire. Tu as fait quoi, Mémé? Tu as voulu la tuer. Une belle petite fille comme ça. Ça va, monsieur? Ton frère, il est où? Sorcier! Il a fui. C'est votre sorcier, vous avez vu là? Hein? C'est votre sorcier, vous avez vu là? Vous voulez le décret? Le visa de Mauritanie. Hein? Il y a trop de visas qui sont là en chômage ici. Il faut qu'il ait un visa de Mauritanie. Parti. Ça va?
Mémé, elle t'aime. Si elle t'aime, tu l'aimes pas. Tu aimes Mémé, tu veux manger. Ou bien tu aimes Mémé, tu l'aimes, puis tu veux la manger parce que tu aimes aussi manger. J'ai un Chinois à Paris, il dit qu'il aime tellement sa fiancée. Il a dépecé pour la manger doucement, doucement. Ah, l'amour comme ça, là, pour le mange. Il a écouté que les blancs, lui, là, il est balade. Pas en Chine. Pas Chine. Il dit qu'il aime tellement sa fiancée. Quand il la voit, là, il veut mettre ça dans son ventre. Comme ça, va circuler dans son sang. Hein? Amour, il a marché dans la marmite. Je dors à toi, tu me vois en viande. Tu vois Mémé, tu la vois en viande. C'est pas bon, ça, ce délire. C'est pas bon, je vais sucer dedans. Tu veux quoi? Je vais sucer dans la sorcellerie. Toi-même, tu as vu. Coup de poing de Dieu, bah, c'est toi. Pour que cette année-là, nos sorciers là, soient foudroyés au nom de Jésus. Hein? On est quoi? Que nos sorciers soient foudroyés. Que nos sorciers soient foudroyés. Au nom de Jésus. Hein? Toi-même, tu as vu, non? C'est que Jésus t'a fait. Hein? Tu as été foudroyé. Hein? Hein? Ah. Donc, elle a le témoignage de comment on foudroie les sorciers. Amen. Amen. Dieu t'aime. Hein? Sinon, c'est un foutou banane bien dur, là, avec sauce guavasse. Croquer les os. C'est la croquer. Les vieux, les filles comme ça. Elle ne laisse pas les os. Elle mange quand même la chair, elle laisse les os. Non, mémé doucement. Je vois que la mémé. On va te délivrer. C'est ça la preuve de la société. Ton ennemi même l'est juste à côté. Ça va? Si tu es ici, ton cœur n'a qu'à faire blé, blé, blé. T'as compris? S'il vient, il faut lui dire, bon, d'abord, il ne va pas venir ici. Tu vas où? Autour de la clôture. Non, il ne peut pas être ici, c'est pas possible. C'est clôture, c'est ça? Ils sont en train de blaguer. C'est de clôture. Ici, là, on ne peut pas rentrer. Sorcier ne peut pas sortir ici pour rentrer. C'est consacré. Tu as compris? Tu as compris? Hein? Pourquoi il les voit? Ah, c'est toi ceux qui les voient. Ma maman est sorcière. Je te vois si ma maman est sorcière. Non, je n'ai pas sorcière. Voilà ma maman ici. Si. Si elle était sorcière, elle a dit. Tu me demandes, c'est ça? Tu me demandes si elle est sorcière. Oui. Non, elle n'est pas sorcière. C'est toi qui demandes. On va t'enlever, c'est ça? Tu veux quitter? Je veux quitter. Hein? Oui. Très bien. On va t'aider. Amen. Amen. Voilà, mémé.